en parlant d'XP, pas dans O, pas dans I. C'est dans quoi déjà que je distribue mes points d'XP? Là. Nickel. Réanime les coéquipiers hors combat avec 15% de leur vie et 40% de leur bouclier. D'accord. Qu'est-ce qui va être le plus important pour le moment? Ça va être ça. Et le reste, on va le remonter dans le fusil d'assaut. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire là? Au niveau des quêtes. Noveria et Féroce. Rendez-vous sous Féroce pour comprendre les raisons de l'attaque des guettes. D'accord. Et là, rendez-vous sur Noveria pour enquêter sur la présence éventuelle de guettes. Et ben on va vers ça. C'est parti mon kiki. On a récupéré Lyara. On a défoncé le foudre Krogan. Et maintenant, on va aller voir la suite. Par contre, je sais pas si c'était dans ce... Ouais. Ah mais ouais, pardon, excusez-moi. Il n'y a que deux systèmes, bon, ça va aller vite. Réception d'un message, je transfère. Okay. Commandant Shepard, mon nom est Nasana Dantus. J'ai un travail à vous confier, mais je ne rentrerai pas dans les détails sur une ligne non sécurisée. Si vous voulez en savoir plus, venez me retrouver à la citadelle. Je vous attendrai dans le salon des diplomates au Présidium. Ouais, on verra ça plus tard, madame. Noveria est une minuscule planète tellurique gelée, tout juste habitable selon les critères communément admis. C'est la propriété de la Noveria Development Corporation qui accueille dans ses laboratoires les expériences trop dangereuses ou contestables pour être menées ailleurs. Cette situation unique fait que la planète est au cœur de nombreuses théories du complot. Allons-y. Contrôle, ici le SSV Normandie demande donc vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Je suis dégoûté de te dire oui, mais vas-y. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. Alors, ça bosse dur. Qu'est-ce qui
peux me dire, oui. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Sa reine a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse, c'est être idiot et borné. On est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Ouais, j'avoue que le idiot et borné, c'était un peu poussé quand même. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Merci pour l'XP. Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous roussir les guiboles. Vous êtes au courant qu'il faudra vous coltiner une cérémonie interminable avec discours de politiciens et tout le tralala? Vous avez pas tort. Et puis il faudrait que je me rase. Ça vaut pas une médaille. Alors, que voulez-vous, commandant? Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'il le prétende? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. Ouais. Ok. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Allez, à plus, mec. C'est pas par là. C'est pas par là qu'on descend, si. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors, à qui on casse la gueule en premier ? Ça suffit. Quoi, ça suffit? Bonjour? Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, Delanos Risk Control Service. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Non, je crois pas, non. Sûrement pas. Personne ne me prendra mon arme. On joue ! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, 3... Capitaine Matsuo, baissez vos armes. Mais c'est bon là. Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Ah ben crois-moi, la prochaine fois, je te mets une balle entre les deux yeux. Tenez-vous tranquille. Écoute, j'ai essayé d'être gentil, vous l'avez pas été. Sortez de là. Je vous ai à l'œil. Vous n'êtes pas si solide que ça. Vous avez intérêt à filer droit.
Sortez de là. Je vais te péter la gueule, mais tellement fort. Je suis sûre que Palacini-san répondra à toutes vos questions. Je suis sûre que Palacini-san. Ouais, d'accord, toi t'as qu'une seule phrase, ok. Et toi tu n'existes pas. On a bien compris, il y a des races ici qui n'ont pas la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut aller par là? Non. Il faut bouger. Entre le froid et la mort, moi j'ai fait mon choix. Non mais toi t'es comme moi, Garus, en fait. Quand il fait froid, t'as trop froid. Quand il fait chaud, t'as trop chaud. J'aime pas le froid. Moi non plus. Un couillon sur un mur, un couillon sur un banc. Les détecteurs d'armes, ne faites pas attention à l'alarme. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur à Noleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. Quelqu'un a pissé dans le café de votre chef de la sécurité? Elle prend son travail à cœur. C'est un excellent élément de la société. Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Votre sécurité est très importante pour un city port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari s'il vous faisait un procès. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment? Étranges? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Le bras droit de sa reine est ici? Je peux lui parler? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Bien. Indiquez-nous le chemin, nous y allons sans tarder. Vous devez demander à l'administrateur Anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant? Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Commandant, nous devrions emmener le docteur Tsoni avec nous. Elle connaît sa mère mieux que n'importe lequel d'entre nous. Ok. Je veux bien, hein, mais... Je sais pas. Faut que je retourne chercher l'autre gogol. Ah, chier. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Alors, Liara, on va prendre... Et on va prendre... Rex ou Garus. Rex ou Garus... Garus. C'est juste une question d'équilibre. Hein. Sinon, j'aurais pris Rex, mais... Un peu de puissance technologique, ça nous fera pas de mal, on sait jamais. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Thank you.
Mais Rex, il avait froid, il n'était pas content d'avoir froid, alors voilà. Garrus, au moins, il prend sur lui. Yo, bitch. Alors, à gauche, en sortant de l'ascenseur. Quel ascenseur? Où ça, un ascenseur? Ah, par là? Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite, et bon séjour. Nos chefs nous ont mis en garde contre vous. Je ne crois pas à tous ces paranoïaques. Il n'y a eu aucun accident au pic numéro 15. Je ne comprends pas toutes ces rumeurs sur Synthetic Insights. Si les bureaux sont fermés, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah oui, d'accord. Peu importe ce qui a pu arriver au pic numéro 15, nous avons tous signé un accord de confidentialité. En même temps, ils me disent à gauche en sortant de l'ascenseur, mais... On peut aller qu'à gauche. Ces salutations. Êtes-vous le spectre qui visite Port Anshan? Les nouvelles vont vite ici. Effectivement, honorable spectre. Votre arrivée n'a pas suscité un grand enthousiasme dans les sociétés. Pourriez-vous l'aider à résoudre un problème? Si un accord est trouvé, on vous récompensera. Mm-hmm. Un article très spécial lui est parvenu pour un client. Cet objet n'est pas autorisé dans la station, mais vous pourriez lui faire passer la douane. En somme, vous voulez que j'use de mon statut pour faire de la contrebande pour vous? Cela n'est pas inexact. Ça me va. Humble merci, Spectre. Le paquet sera livré à votre vaisseau. Il vous suffit de l'apporter ici. Veuillez ne pas en parler à l'administrateur Anneleis. Celui-ci ponctionnerait une taxe sur la marchandise. Peut-on faire autre chose pour vous? Votre magasin est ouvert? Le Spectre cherche-t-il quelque chose en particulier? Alors, qu'est-ce que t'as? Une nouvelle société. Oui. Non, ça m'intéresse pas. Je suis en service, Spectre. Je ne suis pas censé vous parler. Si le sergent Sterling me surprend avec vous, elle est capable de me briser la nuque par la pensée, ou pire encore. Certains des gars font des petits boulots pour l'administrateur. Moi, je suis les ordres du capitaine Matsuo, c'est tout. Vous savez de quoi j'ai envie, là? D'un beignet. Je garde un œil sur ce Krogan de l'hôtel. C'est un mercenaire qui s'appelle Inamorda. Arrêtez, je vais me faire virer si on me voit avec vous. Je suis en service, Spectre. Je ne suis pas censé vous parler. Tu m'as quand même beaucoup parlé. Et je t'en remercie. Salut.